Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan des tournois qui sont en cours sur ma chaîne YouTube. Il y a un tournoi PS4 et un tournoi PC qui sont en parallèle, donc avec à chaque fois 32 joueurs, donc 64 joueurs en tout qui s'affrontent. Mais c'est toujours par groupe de 32, les joueurs PS4 sont ensemble et les joueurs PC ensemble, parce que tout simplement, on ne peut pas encore jouer de PC à PS4 sur FIFA 20. On va faire un premier bilan des tournois et je vais aussi avoir une information à vous faire passer, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pour le groupe A, on a tout simplement déjà tous les premiers matchs qui ont été joués. Donc iLose a remporté remporté le premier match et USCP Matisse également. Ensuite, groupe B, c'est AMN YouTube et Ben Lemay qui ont pris les premiers points. A chaque fois, donc, je mets la différence de but parce que ça pourra permettre de séparer deux personnes tout simplement qui ont tout simplement un total de points égal. Dans le groupe C, c'est Charo 14800 et MaxCity50 qui se sont imposés. Groupe D, donc les matchs sont en cours pour les premiers matchs. Groupe E, on a eu un match nul. Premier match nul d'ailleurs pour le tournoi PS4, avec donc un point de distribué à XMonsterKiller7 et Antoine Ami. Ensuite, groupe F, on n'a pas eu les matchs. Groupe G et H, les matchs vont venir dans les prochains jours parce que c'est les derniers groupes à jouer. Donc voilà, ça c'est le premier bilan. Donc n'hésitez pas à regarder si vous faites partie du tournoi pour voir si tout est bien en règle, si les scores sont bons, si les points sont bons. On a essayé de faire ça propre. On va aller voir un petit peu le tournoi PC qui est un peu plus en retard parce que, comme je vous ai dit, on a mis plus longtemps à recruter les joueurs. Donc on a décalé un peu le début du tournoi par rapport au PS4. Donc groupe A, il y a eu un premier match de jouer. Donc Enzo 10 s'est imposé 6-1 face à Coconao. Groupe B, pas encore de match. Groupe C, c'est Martin Canab qui a gagné face à Claudie Fécamp. Et William Pelé qui a gagné face à Mathieu. Donc voilà, les autres matchs n'ont pas encore été joués. Si on a eu un match qui a déjà été joué, c'est Moustache qui a battu Julox, donc a pris 3 points. Donc voilà pour ce premier bilan, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et je voulais aussi vous parler parce qu'il y a pas mal de joueurs qui perdent leur premier match et qui quittent la team. Le but c'était une fois que vous êtes présent sur le tournoi, faut pas quitter pour un oui ou pour un non. Là pour l'instant, tous ceux qui ont quitté, je les ai remplacés, donc j'avais des joueurs un petit peu en file d'attente pour PS4 et PC. Mais je vais pas m'amuser à remplacer tous les joueurs qui quittent, donc maintenant un joueur qui quittera ne sera pas forcément remplacé. Donc ceux qui pourront pas jouer le match parce que le joueur a quitté auront une victoire 3-0 comme ça, et on laissera les tableaux, même ceux qui ont quitté, donc ils auront des défaites d'attribuer. Mais par contre, pour que les lots soient vraiment remporter tout ça, il faudra quand même qu'il y ait pas plus de 5 joueurs qui quittent le tournoi. À partir de 5 joueurs qui quittent le tournoi, tout simplement, il n'y aura plus de lot de mis en place, tout simplement, parce que vous n'aurez pas joué le jeu. Donc je tenais vraiment à vous tenir au courant, parce que là, vraiment, en PS4, j'ai déjà remplacé 4 joueurs, en PC, j'en ai déjà remplacé 2. Je vais pas pouvoir faire ça tout le temps, sachant qu'il y a 32 joueurs et à chaque fois, il y a des inactifs en plus des personnes qui quittent parce que tout simplement, elles ont perdu leur premier match. Donc, je voulais vous tenir informés pour ceux qui font partie du tournoi. Et bien sûr, ceux qui ne font pas partie du tournoi, vous pourrez suivre ce tournoi face à des vidéos avec les plus beaux buts, les plus belles actions et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao!